Gwen. Rail. Pas mal, pas mal, pas mal. Nouma sur cette action, superbement menée par le Paris Saint-Germain. Nouma ouvre le score et joue la 14e minute. Je vous en fais pas. Et à l'arrivée, une tête de Denis Valdés qui prolonge. Et une volée après rebond en plein dans la lucarne gauche au premier poteau. Là voilà l'action en totalité. Ballon très appuyé, contrôle extérieur du pied. Et sur un contrôle, sur un pas, lumineuse ouverture de rail. Il fallait quand même le mettre. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ah oui, bon. Pedro, ça laissait filer pour Coé. Oh, quel beau mouvement fait ça. Avec Nicolas Houellebecq. Oui. Houellebecq qui égalise. Superbe mouvement. Superbe mouvement nantais. À l'origine duquel se trouvait du reste Claude Makélélé, comme Rail était tout à l'heure. Et avec belle égalisation du FC Nantes à la 28e minute. Une bonne passée dans le dos de Benoît Coé pour Pedros. Et il hésite là un petit peu les dalles. Il a très bien fait de jouer avec Nicolas Houellebecq. Il n'y a pas qu'elle soit beaucoup plus forte que cette balle. Makélélé. Passement de jambes. Dans le dos de la défense. Maé se retourne, Paul Le Guen aussi. Mais Pedros n'était pas en jeu. Il n'y a plus que Nicolas Houellebecq qui marque donc l'égalité. Du... C'est proche, hein. Nantes, c'est un petit peu plus près de Brest que Paris. Je crois que ce que le public de Francisco Blé souhaite, c'est un maximum de buts. Superbe but de Coët. Quelle action encore une très très belle action de Nicolas Houellebecq, me semble-t-il. Attention, oui, il fallait qu'il jaillisse Maé parce qu'il y avait la menace Coé. Ballon en flèche pour Nouma. Il s'est freiné. C'est bon ballon pour les attaquants. Passement de jambes, il est tombé. But de superbe action de Nouma encore là. Hein. Ouais. Vraiment bien bien joué. Comment dit-on Thierry, les attaques prennent le pas sur les défenses. Oui, et mais... sur ce centre en retrait, l'arme absolue, ouverture de rail, ballon un petit peu freiné, le disait en tête à tête avec Pascal Nouma, passement de jambes au-dessus, pied droit, pied gauche, le disait chute, passe en retrait, extérieur pied droit de Youri Djorkaeff pour le but égalisateur à quelques minutes du repos. Ça c'est un bon passement de jambes. Mais le défenseur, non seulement dans le vent, il l'élimine complètement. 39e minute exactement. Ouais. Il reste 6 minutes. 2-2, 4 buts en une mi-temps. Que demande le peuple? Eh bien, on va demander en tout cas ce que demande Luis Fernandez. Ses 40 premières minutes de la... On passe à Dominique Casagrand. Bah, le dernier trophée des champions, c'était la Coupe Intercontinentale. Et ça s'était aussi terminé au tir au but entre l'Ajax et le Grêmio Porto Alegre, pied gauche. Il l'a touché, mais Le Guen a réussi son coup de pied. Il est transpissé. Carotti, sans problème. Bien. Casagrande, il se concentre. Passe à Youri Djorkaeff. Il a travaillé ses appuis et il a pris à contre-pied. Pas de problème. Il prend beaucoup d'élan sur son Gourvenec. Pied droit. Ah oui. Lunette. Rien à faire, c'était au-dessus de Bernard Lama. 2-2. Sur intense, hein, ses tirs au but. Pas très concentré, Rail. Pas très concentré. Bras du sol. Ah, c'est dur ça. Du FC Nantes. Pour l'instant. Et à l'endroit de son pied d'appui, il y a un gros trou, Thierry. Là, il l'a pris, Bernard Lama, j'allais dire. Il y a un gros trou. Les gardiens n'en ont pas pris un. Mais. Et c'est bien passé sans que je commande, donc je commenterai après. C'est vrai qu'on n'est pas entraîné, on n'a jamais eu de pénalty de la saison. Là. C'est vrai que le Paris Saint-Germain est la seule. Non, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain est la seule équipe de première division à ne pas en avoir eu. Oui, c'était bien avancé. À refaire. Il le fait refaire. Oui, oui, parce que il n'a pas eu un élan qui était régulier, Thierry. Il faut que la prise ait d'élan. Soit oui, régulière. Et au moment de la frappe de balle, en plus, Dominique Casagrande, ah oui, il était là, un mètre devant ses buts. Mais là, on peut pas. Regardez, un, il saccade ça, il ralentit, il le fait refaire.
il le fait retirer. Oui, il l'a bien fait, il l'a bien mis dans le coin. Pour le pied droit de Pedros, allez. Alors on continue. Et on continue. Colletter, ancien Brestois. On continue. Oh, il prend de l'élan. Oui, qui n'a pas trop regardé Bernard Lamin. Sous la barre. 4 partout. La balle au centre. Deli Valdez. Oh, il a touché. Oh là là. Ouais, il est parti Casagrande, mais il l'a touché avec le mauvais bras. Il est en colère. Oui, mais parce que c'était une belle parade qu'il a fait Dominique Casagrande là. 94. On va voir. Ouais, c'était pas très classique comme tir, mais c'est bon. Un peu moins, ouais, il y avait un but un peu moins, mais... Allez, Fournier. Là, ce ne sont que des balles de match. Hein. Fournier, Casagrande. Oh là 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 là. Ça aussi, c'est pas très classique, mais c'est bon. Qui a tiré les pénaltys? Oui. Alors là, en Seine-et-Marne. Mais dans le... Makelele, on n'a pas l'impression. International espoir. On n'a pas l'impression de faire preuve d'une grande confiance dans le temps monté. Ah bon? Et pourtant, il les tire à l'espoir, Claude Makelele. Allez. Au-dessus. Au-dessus. Voilà, c'est fini.